Comment ça va YouTube? Alors si vous me suivez sur les réseaux, que ce soit sur Insta ou encore Twitter, vous savez que je ne peux plus poster une seule photo sans que vous fassiez des montages de moi. Prenez cette photo par exemple. Rien d'anormal, pas vrai? Bah 3 secondes into la publication, entre vos mains, ça donne ça, 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 ou encore ça! Je vous déteste. Et donc il y a 2 semaines, je vous ai tourné plein de rushs sur fond vert que je vous ai partagé sur les réseaux pour que vous vous amusiez. Et vous avez été plus de 260 personnes à en faire des montages. Alors avec autant de messages, vous vous doutez bien qu'on n'aura pas la possibilité de mettre tous les montages dans cette vidéo. Et donc si jamais vous faites partie de ceux qui ont passé du temps, qui ont fait du montage et que vous n'êtes pas dans la vidéo, je m'excuse par avance. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous m'avez mijoté, hein. Mais bon, vous connaissant, ça va être du costaud. Bref, moins de blabla, plus de montage, c'est parti! Wow! Quoi? T'as cru que t'allais regarder une vidéo d'Henri sans sponsor au début? Mais ça va pas la tête ou quoi? Achetez mon nouveau coffret collector contenant l'intégrale de Kiehi. Si vous vous procurez les 6 tomes séparément, cela vous fait un total de 59,70€. Mais ce coffret, lui, n'est qu'à 49,95€. Vous économiserez donc le prix d'un tome, et en plus, il y a un pack collector à l'intérieur contenant 6 cartes postales, un poster et un livret inédit. Qu'attendez-vous? Achetez-le! Bob, il l'a acheté, lui! Sur ce, je vous laisse à nouveau avec Henri, retour à la vidéo. D'ailleurs, il a oublié de vous préciser le nom de cette nouvelle série, hein. Ça s'appelle On Henri. C'est de la merde, je sais. Première vidéo. Bravo, vous êtes sur Internet 2021. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Oui. Si cette vidéo devait avoir un titre, ce serait Internet. Je vous propose de passer à la vidéo d'après, hein. Ça a été vite expédié. Putain, il m'a vraiment fait mal aux oreilles avec ces conneries en plus. Est-ce que vous avez eu peur? Oui, j'ai eu peur. En initial des... Oh, alors là, ah, je vous avais dit qu'on allait pas être déçus. Ça sort le montage animé avec le déjà vu. Il y a carrément des sous-titres et tout. Ça va être incroyable. Sodana. Dans le rétro. Il lui dit bonjour. Pourquoi y a Kevin? Je vous avais dit qu'on allait pas être déçus. Ah là là, putain. Alors c'était très drôle. Par contre, je suis encore en train de phaser sur le fait de savoir pourquoi il y avait Kevin dans le montage. Il a pop de nulle part. Écoutez, c'est pas grave. Allez, Kevin, il est là. Tu sais, c'est l'ami imaginaire que t'as dans les animés là pour dire oui, il faut croire en pouvoir de l'amitié. Pense à ton frère. Et puis après, le héros il bastonne le méchant. C'est terminé. Prochaine vidéo. Henry à Naruto Story. Attends, je suis presque sur. Ah mais du coup, c'est un titre en anglais du coup. Alors excusez-moi. Henry a Naruto Story. Allez, c'est parti. Oh, les fondus enchaînés, c'est catastrophique. Donc, tu crois que tu peux me battre en danse? Hein? Pourquoi? C'est pas moi. Je sais qui c'est. Je ne dirai rien. Il était si jeune. Je vous attendais, monsieur. Bon. Yennefer! Encore vous! Yennefer! Secando! Wouh! Je donne mon avis ou pas? Non mais parce qu'en fait il a certainement dû passer du temps dessus, du coup j'ose pas, tu vois. En fait, je vois vers quoi il a voulu partir. L'ambiance un petit peu faux trailer, etc. Ça, c'était bien fait. Mais au niveau des cuts, il y a des trucs, ça n'a aucun sens, en fait. En fait, j'ai eu l'impression de voir un YouTube poop, tu sais. Bonjour Mélanie. Oui. Ça va bien. Le Pas-de-Calais. Et encore une fois, tu vois, c'est parce que c'est cheap que c'est drôle. Henri Dujardinet. Attends, là déjà, rien qu'à la première image, tu sens que ça va être un trailer de film. Déjà, ça s'annonce bien, parce que si c'est bien fait, les gars, ça peut être incroyable. Ah bah ça y est, c'est parti Singapour direct. J'avais même pas vu que c'était Singapour, bande d'enfoirés. Ah putain, j'aurais jamais dû vous dire que j'ai pas été accepté à Singapour. Maintenant vous lâchez plus ma veste avec ça. Hey.
C'est pas moi. Je sais qui c'est. Je ne dirai rien. Pourquoi? Oh merde! Cet été! Je vous attendais, Monsieur Bond. On ne bouge plus! Des rebondissements! Jennifer! T'es encore vivante? Plus maintenant. Une dernière volonté? C'est bien ce que je pensais. Attends, c'était pas mal. En tout cas, c'était mieux que les autres qu'on a vus jusqu'ici. Peut-être que les montages à partir de là vont commencer à step up, hein. On sait pas. Par contre, mention spéciale à l'affiche pour le coup. Franchement, c'était très sympa. J'ai toujours su que j'avais le talent pour jouer avec Pierre Niney dans un film. Alerte rouge à Singapour. Et c'est reparti. Et ça y est, c'est bon. Vous avez fait votre blague. Vous êtes content, hein. Voilà. Vous avez de la chance qu'on soit sur YouTube. Je peux pas vous ban ici. C'est mon enfoiré. C'est pas mal celle-là. Je vous propose d'attaquer la prochaine vidéo qui s'appelle Henri la Tortue. C'est ça le titre. Voilà. Me demandez pas, c'est pas moi qui ai choisi le titre. C'était pas mal, c'était pas mal, franchement. J'ai pas voulu parler parce qu'il y avait 36 000 trucs qui se passaient à la seconde, mais en vrai, les synchronisations, l'esprit what the fuck, le fait que ce soit un peu cheap, en fait, ça fait partie de ces vidéos-là, encore une fois, genre, parce que c'est cheap, c'est drôle. Si c'était mieux fait, ça le serait plus. Limite, je le publierais bien sur Twitter, ça, je verrais bien un petit peu comment les gens réagiraient vis-à-vis de ça. C'est du YouTube poop, mais du YouTube poop qualitatif, tu vois, c'est... Non, j'apprécie. Henri The Flash, alors 20 secondes de vidéo. Ah bah là, pour être rapide, il est rapide, Henri, hein. C'est l'homme le plus rapide du monde. Je m'appelle Henri Tran. Et je suis l'homme le plus rapide du monde. Bah même lui il le dit. Oh. Oh là, comment... Oh, j'en ai marre. Mais j'en ai marre de vous. Ah putain, j'aurais jamais dû vous dire. Non, c'était nul. Comment ça, je suis de mauvaise foi? C'était pas bon, objectivement, c'était pas bon. Bon allez, mauvaise foi à part, c'était très sympa. Alors par contre, c'est un faux trailer, mais j'aurais bien aimé que ce soit un chouïa plus long. Ça aurait été cool. Prochaine vidéo. Alors là, par contre, je sens que ça va partir en sucette. C'est Henri versus Boros. Alors Boros, je crois que c'est un méchant dans One Punch Man. Et bah voyons voir ce qui se passe. Là, je le sens, là, les montages, ils commencent à step up, là. Hello! It's me! Henry! Ne me sous-estime pas! Maji Nagri. Game over. Je vous l'avais dit que les montages ça allait step up petit à petit. Très très bon montage. C'était quasi parfait. En revanche, c'est la reprise du combat. Je trouve que la transition elle est un peu brusque. Voilà, là, c'est dommage. Là, la transition, elle aurait pu être mieux faite avec une partie combat. Genre, après, je pense que je comprends qu'il y a eu un manque de temps, donc il y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Mais genre, si vraiment on avait fait toute la phase de combat, ça aurait été fou. Henri versus Dio. Oh, Dio. Mokate Kurenoka. Là, c'est du JoJo's Bizarre Adventure. C'est même précisé que ça va être what the fuck. Si c'est du JoJo, il y a même pas besoin d'écrire entre parenthèses what the fuck. J'ai envie de vous dire, hein. On sait que ça va être n'importe quoi. Allez, c'est parti. Let's go. Oh, Dio. Jotaro. Stop, Latina. Comment il a fait le truc 3D? Samada. Je vais te hagar. Ne me sous-estime pas. Papa.
Je m'appelle Henri Tran. Et je suis l'homme le plus rapide du monde. Ça, c'est de la rapidité. Alors ça, c'est vraiment de la merde. Oh non, faut pas dire ça. Non, non, c'était cool, c'était cool. Il dit que c'est what the fuck, mais ça aurait pu être encore plus what the fuck. En vrai, les gars, c'est pas pour dire, mais je suis assez content parce que je trouve que le niveau, il est pas nul, tu vois. Bon, il est un peu nul, mais il est pas... tu vois ce que je veux dire? Enculé de ta race! Les premières vidéos, c'était... voilà, quoi. Mais attendez, alors celle-là, on l'a pas eu dans nos mails, on l'a eu sur Twitter, mais il est pas mal aussi, hein. La platina! La guardo! Voilà! Voilà! Un doubleur, t'as peur? Non, en vrai, ce montage-là, il était nickel chrome. Alors celui-là, je l'ai vu avant le tournage parce qu'on me l'avait envoyé via Twitter et pas sur mon mail. Mais par contre, en fait, il manque juste un truc. C'est le sound design, tu vois. Le moment où tu vois la patate arriver sur la joue de Dio, les enchaînements de coups, ce serait trop bien d'avoir les sound design de coups avec Dio qui crie. Ça, si on arrive à rajouter, je suis presque sûr qu'on a un truc incroyable. Ça donnerait un truc qui ressemblait à peu près à ça. La platina! La guardo! Voilà! Je pense que ça aurait été parfait. Alors c'est parti, là maintenant on est même plus sur des trailers de films, on est sur des pubs de jeux vidéo les frérots. Henry Waluigi parti. Mario and friends are back. Party it up in this superstar collection of iconic Mario Party boards and mini games. Mario Party Superstars. C'est un peu mais efficace. D'ailleurs, on peut en parler. Hein, ce dernier Mario Party, je vous le conseille. Il est vraiment très très sympa. Vous pouvez jouer en ligne avec vos potes et tout. Là, on en a déjà fait sur Twitch avec les potes. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. On est en live les lundis, les mercredis, les vendredis à 20h. Hein, voilà, c'est tout. C'était tout à fait de l'autopromo. N'hésitez pas à vous abonner. Et claque ton prime. Prochaine vidéo. Oh putain, celui-là, il dure 3 minutes. Ouh. Alors là, il s'est donné, lui. C'est fini les trailers de films. On attaque les trailers de jeux vidéo maintenant. Là, c'est carrément un gameplay, c'est un let's play. Oh, il a même... What? What? Il a même fait une police? Hein? C'est quoi, maintenant? Hein? Let's go! Ça comme quoi pour Gryffondor, y'a quoi? Quoi, t'es pas content? Hey! C'est bien fait! Zoruldo! Donc là, ça va être un jeu de combat? Henri avec un t-shirt blanc contre Jotaro Henri. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est déter, il y a carrément les terrains. Burger King, bah oui, bah on se tape à Burger King. Mais c'est full déter le mec. Astuce, ah là là, qu'est-ce que ça doit être marrant d'avoir été condamné à des montages par ses abonnés. Bah écoute, je te le fais pas dire, hein. Tu t'amuses bien là. K.O. Quoi, one shot? Vous avez débloqué un nouveau stage de combat? Attends, ah oh là là, c'est lequel? Moi je m'en vais si c'est comme ça, hein. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Vous allez voir, le jour où je vais faire le vlog où je pars à Singapour, je vais casser YouTube. Tellement vous êtes nombreux à vouloir que je parte là-bas. Je vais être obligé. Vous le savez, ça, vous le savez. Alors franchement, il s'est donné, hein. Bravo. Mais en plus, il y a des petites private jokes et tout. Les logos, il y a eu du taf, hein. Il y a vraiment eu du taf. Les détourages, même, il allait chercher différents terrains. Il est parti chercher des photos de Kevin. Vraiment très, très propre. Bravo à toi. Henri Potier à l'école du meurtre. Il s'est jamais passé de choses bizarres, de choses inexplicables quand tu étais en colère ou que tu avais peur. Pourquoi ? Tu es un sorcier, Harry. Non ! Et qui possédait cette baguette ? C'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, c'est la baguette qui choisit son sorcier. Bon sang ! Cette saleté de cognard s'acharne sur Harry ! Je vais le bloquer ! C'est pas moi ! Un peu maladroit sans doute. Meurtrier. Il s'est retrouvé à la prison d'Azkaban pour ça.
suis prêt à me battre. Pas la cadavre. Oh merde. C'est un vrai sort, ça? Oh, il est mort. Et verte et statique. Eh ouais, Malfoy! Eh ouais, Malfoy, t'es qu'une merde! Des hommes ont dépéri en le contemplant. Ou sont devenus fous? Dites-moi ce que vous voyez. Bah alors, Harry! C'est horrible! Oh non! Bah non! Bah non! Oh! Alors ça, c'est vraiment de la merde! 31 février 2022, non, moi j'achète mon billet direct! C'est super! Pouce bleu, abonnement, let's go! J'ai rien à dire. Alors celle-là, les gars, c'est une des rares vidéos que j'ai pu voir un petit peu avant le tournage. On me l'avait envoyé via Twitter et donc du coup j'ai été curieux, je suis allé checker. Et pour vous dire, j'ai regardé 10 secondes et j'ai coupé tout de suite la vidéo parce que je sentais que ça allait être incroyable, que je voulais pas me spoiler pour la vidéo d'aujourd'hui. Et donc du coup, je me suis gardé la surprise pour le tournage. Je vous en dis pas plus, profitons ensemble. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. J'étais le premier à voter contre Joanna, mec. Tu es un sorcier, André. Jure. Celle-ci. Sache une chose, André, c'est très important. Les sorciers ne sont pas tous gentils. Ah. Incroyable! C'est un vrai sort, ça? Oh, il est mort! Il a même fait la police! Fanmade, édité par WCK Productions. Alors lui, s'il a une chaîne YouTube, ça part sur un abonnement sec. Ah, c'était incroyable. Et maintenant, je veux le film, je veux la version complète. Bon, allez, pouce bleu, abonnement, petit commentaire. Très, très smart d'avoir utilisé les rushs du loup-garou. En fait, j'ai vraiment kiffé le fait qu'en dehors d'utiliser les fonds verts, il est même allé chercher des vidéos du rire jaune pour compléter le trailer. Ça rend juste trop bien avec la partie loup-garou. Surtout qu'en plus, ça rentre bien dans l'univers d'Harry Potter, donc c'est super bien fait. Et même, tu sais, au niveau des timings, avec la musique, les cuts et tout, il s'est donné. Et bravo à toi, WCK. C'était incroyable. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et j'ai pas d'autre mot que merci aux participants. Merci d'avoir pris du temps pour avoir fait ces montages. C'était vraiment super cool. Et je sais que j'ai été un peu bâtard des fois dans la vidéo en disant qu'un montage était pas ouf, etc. Mais je sais que ça représente quand même du temps. Bah, ça mérite reconnaissance. Encore une fois, pour tous ceux qui ont fait des montages qui n'ont pas été montrés dans la vidéo, on est désolé parce que bah, il fallait faire un tri. Il y en avait tellement qu'on pouvait pas tout montrer. Mais c'est pas grave parce que il y en aura certainement d'autres parce que je doute que vous vous arrêtiez là. Hein. En fait, le but de cette vidéo de base, c'était que vous vous défouliez un bon coup et qu'après, vous me laissez tranquille. Mais rassurez-vous, je ne suis pas naïf, je sais que ça ne s'arrêtera jamais. Et donc peut-être qu'on fera d'autres vidéos fond vert dans le genre hein, pour que vous puissiez vous amuser. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir participé à ce concours montage. Merci à vous d'avoir regardé. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.